aujourd'hui dans Allo Docteur, nous allons parler de douleurs intimes, brûlures, démangeaisons, picotements, rapports sexuels douloureux ou encore tensions musculaires. Ces douleurs peuvent révéler aussi bien une pathologie de la vulve ou du vagin chez la femme que du pénis chez l'homme. On ne les évoque que très rarement tant elles sont taboues. Pourtant, ces douleurs sont loin d'être rares. Et attention, sans prise en charge, les conséquences peuvent être parfois très graves. Alors, quel spécialiste faut-il consulter en cas de douleur intime? De quelle pathologie peut-on souffrir? Médicaments, chirurgie, médecine complémentaire? Quels traitements peuvent être proposés? Nous allons répondre à toutes vos questions avec nos deux spécialistes. Avec le docteur Christelle Bénard-Charvet, qui est gynécologue obstétricienne. Bonjour. Bonjour. Et le professeur François Habbe, qui est urologue. Bonjour. Bonjour. Avant, on va juste faire un petit peu de rappel. Et comme on est très classique, je vais faire la femme, vous allez vous occuper de l'homme, n'est-ce pas? Tout va bien. Voilà, donc sur ce schéma, donc évidemment, on voit les grandes lèvres et les petites lèvres, le méa urinaire, donc pour faire pipi, l'orifice du vagin et le clitoris en avant. On passe chez l'homme maintenant? Bah, si je veux bien. Allez, on y va. De profil, et puis vous voyez que c'est une coupe, vous avez reconnu évidemment le pénis. Ici, je remonte, toujours en coupe, cette petite glande ici en rose, c'est la prostate. Juste au-dessus, en jaune cette fois-ci, vous voyez, c'est la vessie. Si je redescends, là, vous avez reconnu aussi les testicules. Alors, le testicule, vous voyez qu'ici, il y a une espèce de petite cape, une espèce de petit chapeau qu'on appelle l'épididyme. Et l'épididyme, en fait, c'est un concentré de microtubules qui vont récolter, reprendre les spermatozoïdes qui vont être ici éjectés dans ce canal-là qu'on appelle le canal déférent, qui passe ici, on passe à travers la vésicule séminale, on repasse dans la prostate, au niveau de la prostate, et pour une évacuation avec ce canal qu'on appelle l'urètre. Alors, tous ces sites, que ce soit les testicules, l'épididyme, tout ça peut être le signe de, pas le signe, mais en tout cas l'expression, le site de douleur, qu'elle soit infectieuse, d'ordre neurologique quelquefois, ou même au niveau des testicules, on en parlera peut-être, une torsion testiculaire qui est une urgence et qui est très très douloureuse. Et puis un autre élément très important qui peut faire souffrir et qui est essentiel dans cette anatomie, c'est ce qu'on appelle le périnée, c'est un muscle, on va regarder d'abord sur la femme. Donc là on est de profil, on a l'utérus, le vagin, la vessie, en arrière le rectum, les trompes et les ovaires, et ce muscle c'est ça, en fait c'est un rôle de soutien des organes génitaux, et là aussi ça peut être le siège de douleur, et chez l'homme aussi. Voilà, de profil, on va regarder tout le temps le même principe, on est tout le temps de profil, et on reconnaît ici ce périnée, une sorte de hamac, comme vous le disiez, qui va maintenir tous les organes au niveau du pelvis. Voilà, on passe aux questions maintenant. On commence avec cette question d'Anne. Est-ce qu'il y a un âge où les douleurs intimes s'installent? On a des consultations, des demandes de consultation à tous les âges. Il y a des femmes jeunes, parfois même post-adolescentes, 17, 18 ans, qui peuvent commencer à avoir des douleurs intimes, et puis parfois beaucoup plus tard. Donc non, il n'y a pas d'âge de prédilection. Les diagnostics ne seront pas les mêmes, mais il n'y a pas d'âge de prédilection, et malheureusement, tout le monde peut être concerné, que ce soit d'ailleurs l'homme ou la femme. J'ai toujours eu les testicules très sensibles. À quoi cela peut-il être dû ? Alors, les douleurs testiculaires, c'est très compliqué. Je pense qu'on va être amené à en reparler. Mais le testicule a une innervation très particulière parce que la seule chose qui manquait sur votre dessin, c'est que le testicule, de manière embryonnaire, il est presque au niveau des reins. Mm-hmm. Il descend progressivement pour arriver dans les bourses, ce qui fait qu'il est rattaché au corps humain par un cordon, mais qui est extrêmement long. Et ce qui fait que toute pathologie qui va toucher ce fameux cordon, par exemple un problème de dos, mais très très haut au niveau des vertèbres dorsales, peut retentir sur des douleurs et provoquer des douleurs testiculaires. Donc le testicule, c'est l'expression de vraiment tout un tas de pathologies, et c'est un diagnostic compliqué, des patients souvent déçus à l'issue de la consultation, parce qu'ils ont l'impression qu'on ne leur a pas apporté de réponse. On va essayer aujourd'hui de donner quelques pistes, mais c'est une pathologie qui est compliquée. Fatima nous dit que depuis un an, pendant ses règles, elle ressent de vives douleurs au niveau des lèvres à chaque mouvement. À quoi ça peut être dû ? Alors souvent ce sont des irradiations et en général de l'utérus, c'est-à-dire que l'utérus est un organe contractile, comme le disait mon confrère, on a des nerfs qui vont irradier et cette douleur peut se projeter dans les lèvres. Donc simplement la contraction liée au moment des règles. C'est la contraction qui va irradier. D'accord. Soit dans les cuisses, soit dans les fesses. D'accord. Soit au niveau vaginal. Question de Céline, je fais des douches vaginales après les rapports sexuels et j'ai de vives douleurs vulvaires, quelle solution ? Arrêtez les douches vaginales. Voilà. Ouais. C'est quoi le problème des douches vaginales ? Alors déjà, sur le plan hygiène, on n'a absolument pas besoin de nettoyer son vagin. Le vagin est plein de microbes, de très gentils microbes qu'il faut au contraire conserver. Et donc, c'est une agression d'aller faire des douches vaginales. Donc voilà. Ça n'est pas physiologique. Avant, après les rapports sexuels. Voilà, que ce soit avant ou après les rapports sexuels, on ne lave pas le vagin. François nous dit qu'il est gay et qu'après s'être fait pénétrer, il ressent de vives douleurs au niveau du dos et de l'anus. Est-ce que c'est grave ? Grave, j'en sais rien. C'est jamais normal d'avoir mal.
Donc dès qu'il y a une douleur, c'est qu'il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, donc on doit consulter. Donc une douleur, c'est un signe d'alerte. Et donc à partir de là, il y a tout un diagnostic qui se met en place. Donc douleur veut dire je consulte, il y a quelque chose qui se passe qui ne fonctionne pas. Voilà. Il faut que les gens vraiment comprennent la douleur, c'est un signe d'alerte, c'est un symptôme. C'est vrai que parfois les gens attendent qu'il y ait des saignements, qu'il y ait des signes plus importants, il ne faut pas attendre. Oui, vous avez raison, le saignement alerte tout de suite. Il y a cette notion d'hémorragie, d'urgence, de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais mourir, la douleur. Bon, on essaie de gérer. Alors bien sûr, il ne s'agit pas forcément de se précipiter dans la minute, mais une douleur qui persiste, qui revient, même si elle n'est pas forcément très intense, ça mérite d'aller prendre un avis. Là, en l'occurrence, on conseille à François d'aller voir son médecin généraliste, un urologue. D'abord le médecin généraliste, ouais, en premier orientera... lieu. Et puis après, en fonction de l'examen du médecin généraliste, il va peut-être orienter vers un proctologue, peut-être orienter vers un urologue. Donc, il va orienter en fonction de ce que lui aura déjà constaté. Si c'est qu'on sait effectivement que c'est des douleurs tabous. Là, en l'occurrence, je pense que ça l'est encore plus. Et donc, ce n'est pas forcément facile de parler de sa sexualité à son médecin généraliste. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Non, ce n'est pas simple, la problématique pouvant être tellement plurifactorielle, si la porte d'entrée est un spécialiste, déjà, on se met dans une filière particulière. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un espèce de chef d'orchestre au départ, et le médecin généraliste est quand même le mieux placé, parce que lui, par son examen initial, va voir si le problème est plutôt infectieux, si le problème est plutôt proctologique, si le problème est plutôt urologique, et donc mettre le patient d'emblée dans la bonne filière. Donc, c'est pour ça que je pense qu'attaquer une douleur d'emblée par une voie de spécialité, c'est déjà se mettre dans un chenal qui n'est pas forcément le bon. Je ressens souvent des décharges électriques au niveau de l'anus après l'éjaculation. Ça fait déjà 2 ans. Dois-je consulter? Et Michel a 60 ans. Bah oui. Quand on souffre, ce monsieur a l'air d'en souffrir. Décharge électrique, pour nous, ça évoque très souvent des problèmes neurologiques. Les nerfs, c'est de l'électricité. Donc, décharge électrique égale problème neurologique. Donc, si le patient décrit ce genre de choses et que ça évolue depuis un certain temps, vraiment, ça vaut la peine d'aller prendre un avis. Après, on peut rassurer les gens, c'est-à-dire qu'une maladie grave, en 2 ans, ça prend de l'ampleur. Donc, à la fois, le fait que ça dure, c'est un signe qui doit motiver une consultation parce que probablement, il y a quelque chose à faire. Mais c'est plutôt rassurant. Mais c'est plutôt rassurant parce qu'une maladie grave, et on pense tout de suite à une tumeur, une tumeur en 2 ans et en général d'autres signes qui s'installent. Olivier demande si les douleurs intimes peuvent provenir de virus. Les douleurs intimes des messieurs, des dames ? Messieurs ou dames ? Sans précision. Alors oui, par exemple, une infection par l'herpès, ça va être horriblement douloureux, surtout la primo-infection. Donc oui, tout à fait, des virus peuvent provoquer des douleurs. Dans ce cas-là, on voit des signes quand même ? Pas forcément. Alors, pas forcément. On a vraiment des patientes qui consultent, par exemple, parce qu'elles n'arrivent plus à uriner brutalement. Et c'est très inflammatoire et ça peut être une première poussée d'herpès. D'accord. Par contre, le deuxième virus auquel on pense, qui est le papillomavirus, lui, souvent, ne donne pas de douleur. Alors, pour revenir, on discutait des douleurs chez l'homme. Effectivement, leurs origines restent souvent mystérieuses, mais les douleurs donc pelvipérinéales, comme on les appelle chroniques, font souffrir quelquefois les hommes. Des traitements très invasifs existent, comme les infiltrations ou même la chirurgie. Mais pour soulager les patients, en évitant d'en arriver là, certains spécialistes proposent des séances d'ostéopathie. Voyez ce reportage, Camille Leclerc, Marc Lavastrou et Nathalie Vincenti. La souffrance de Max est invisible. Il y a 4 ans et demi, après plusieurs accidents de la route et de mauvaise posture, des douleurs au testicule gauche sont apparues. Ah bah le testicule il se place mal, donc il se décale, ça tire sur le nerf et ça donne des douleurs au niveau de la zone pelvienne. Et il y a aussi des douleurs qui descendent au niveau du genou, au niveau du dos, au niveau de l'aine. Ça chauffe, ça brûle, c'est vraiment des douleurs assez différentes et assez difficiles à exprimer si je peux dire. La douleur, elle est tout le temps là. Ma vie intime, j'en ai plus parce que les 2 derniers rapports que j'ai eus, ça a été un peu chaotique et ça a été très douloureux. Donc j'attends de me soigner et voilà, ça va dans la suite. Pour identifier l'origine du problème, Max consulte 2 urologues et réalise plusieurs examens. Aucune anomalie n'est détectée. Comme près d'un homme sur 10, il souffre à 32 ans du syndrome douloureux pelvipérinéal chronique de l'homme. Très souvent, ces hommes ont mal et la prostate va bien, la vessie va bien, le rectum va bien. Et on leur dit, bon, écoutez, peut-être qu'il faudrait prendre un antidépresseur, puis ça va passer.
c'est beaucoup de douleurs entre les bourses et l'anus, de douleurs autour de l'anus. Et ce qui peut faire évoquer une cause nerveuse, si je puis dire, c'est l'association soit à un passé de douleurs du dos, c'est des gens qui ont des lombalgies, voire des sciatiques, ou l'irradiation de ces douleurs lorsque les gens ont mal dans les cuisses. Donc ça oriente pas mal sur une possibilité de compression de nerfs, et donc ça nous invite à demander de l'aide aux ostéopathes. Est-ce que c'est douloureux ? Ça me fait mal. Hein. Déjà, oui. Max en est à sa 4e séance d'ostéopathie. Plusieurs consultations sont nécessaires pour soulager les multiples douleurs qui se sont installées au fil du temps. Vous avez la tension testiculaire qui descend avec les adducteurs comme ça. Et quand vous avez mal, votre bassin tourne vers l'intérieur. Comme le bassin, la crête iliaque tourne vers l'intérieur, dans le dos, l'articulation est tendue. Comme votre douleur dure depuis 4 ans et demi, moi j'ai beaucoup de travail. Ce n'est pas une maladie parce qu'il n'y a pas de pathologie identifiée. C'est un syndrome douloureux. Donc mon but est d'obtenir le relâchement de toute la zone pelvienne, de petit bassin, pour gagner un peu de confort. Quand on souffre moins, la qualité de vie augmente. En s'installant, ces douleurs peuvent aussi entraîner des problèmes fonctionnels de l'organisme. Mais là, la vessie, vous sentez la tension de la vessie. Ah ouais, sur la gauche. Là. Voilà. Quand les patients sont en crise, ils peuvent même avoir le trouble urinaire. Ce qui m'est arrivé. Oui. J'ai eu du mal à uriner. Donc vous allez inspirer. Expirer. Toutes les douleurs que j'avais avant la séance, là, je les ai plus spécialement. On sent clairement que tous les nerfs, les ligaments, les tendons sont détendus, quoi, en fait. Donc ça soulage énormément, quoi. Pour limiter le retour des douleurs, Max doit s'étirer chaque jour. L'ostéopathie soulagerait les patients dans 80% des cas. Pardon, Michel nous parle de son épouse qui a 63 ans. Il nous dit qu'elle ne supporte plus la pénétration car sa peau est fragile. Ça provoque des petites coupures avec saignement. Bien sûr, c'est extrêmement fréquent. On appelle ça l'atrophie vulvo-vaginale. C'est lié donc au manque d'hormones. Et donc je dis, il y a une prévention, c'est-à-dire de ne pas laisser l'état se dégrader. On a des traitements hormonaux locaux quand il n'y a pas de contre-indication. Et puis on a aussi la pratique des rapports régulières, les massages. Donc il y a vraiment plein de solutions pour arriver à cette finalité. Et une fois que c'est installé, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. J'ai souvent la verge douloureuse après avoir uriné. Je n'ai pas d'infection sexuellement transmissible, ni n'ai subi aucun traumatisme. Est-ce que ça peut être grave ? Non, alors c'est pas la verge qui est douloureuse, c'est l'urètre. Donc, c'est le canal qu'on a vu qui permet l'évacuation des urines et du liquide séminal. Et en fait, quand il y a une douleur d'origine prostatique, donc une inflammation de la prostate, il y a une irradiation. Donc la douleur va suivre le conduit de l'urètre. Et souvent, les patients nous disent « j'ai mal juste à l'orifice ou juste en arrière du méa urinaire ». Le méa, c'est le petit orifice au bout de la verge. Et en fait, non, c'est juste une irradiation. Donc, c'est une espèce de douleur projetée. Et c'est plutôt vers la prostate qu'il faut se porter que sur l'urètre. Les douleurs de la verge, c'est plutôt dans une maladie qu'on appelle la maladie de l'apéronie, qui est une maladie qui donne des plaques fibreuses de la verge et qui entraîne d'abord des douleurs et dans un deuxième temps, une déviation de la verge lors de l'érection. On nous dit douleur à la pénétration, douleur pelvienne et miction fréquente, pas d'infection, est-ce que ça peut être une endométriose ? Alors, si les douleurs pelviennes sont concomitantes des règles, de la survenue des règles, il faut évidemment toujours penser à l'endométriose. On a de temps en temps des endométrioses vésicales, ce sont quand même des pathologies vraiment rares, donc on ne pense pas à ça en premier. Mais là encore, comme on disait tout à l'heure, consulter son médecin. Suite à une radiothérapie il y a 10 ans, j'ai toujours une vive douleur à la pénétration. Pour le gynéco, il ne faut pas attendre d'amélioration. C'est une femme qui pose la question, Marie. Pour une radiothérapie pelvienne, je suppose. Sans doute, oui. Sans doute. Hein. Alors effectivement, oui, c'est toujours compliqué. Donc là encore, on a des méthodes de manipulation. On a parlé tout à l'heure de l'ostéopathie qui peut rendre service. On a des possibilités de massage. Donc là encore, consulter tôt. Et voilà, il y a toujours des solutions, on a toujours des améliorations possibles.
Marie a 72 ans, elle demande que faire quand la fourchette vulvaire est douloureuse. C'est quoi la fourchette vulvaire? Alors la fourchette vulvaire, c'est dans la zone qui est située entre la vulve et l'anus. C'est effectivement une zone qui est soumise à des tensions pendant les rapports, puisque ça va appuyer, la verge va appuyer contre cette zone. Et c'est une zone extrêmement fragile, jonction muqueuse, jonction peau. Donc c'est cette zone-là qui est le plus souvent douloureuse. Alors moi je conseille de temps en temps de changer de position, ça peut bien améliorer les choses. Et puis là encore, les massages qui peuvent être faits d'ailleurs par une sage-femme ou un masseur kinésithérapeute. D'accord. J'ai de très violentes douleurs entre l'anus et le vagin, c'est horrible, je n'ose pas en parler, je n'arrive pas à décrire la douleur. Voilà, on parlait tout à l'heure de la fourchette vulvaire, bien on est exactement dans cette zone-là. Là encore, consulter un médecin, consulter une sage-femme qui peut aussi donner une idée de la localisation et de la cause de la douleur. Ne pas rester comme ça, ça peut être une douleur d'origine lombaire. Voilà aussi, si elle ne peut pas en parler, on en revient à ce que je disais. Ben voilà, on a la question qui est là. En cas de problème intime, et si on est gêné pour en parler, on peut aller dans les centres de santé sexuelle où les médecins sont habitués. C'est vrai que parfois, ça peut être plus facile d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais alors, dans les centres de santé sexuelle, les médecins sont plutôt orientés très rapidement vers les problèmes infectieux. Et ils sont un petit peu moins spécialisés sur la prise en sexologie, sur la prise en charge de ces douleurs. Alors, chez les femmes, le gynécologue de référence est à l'évidence l'interlocuteur, parce qu'il y aura immédiatement une écoute et une prise en charge. Chez l'homme, la problématique est plus plurifactorielle. Donc, c'est vrai que, bien sûr, un urologue peut être de bons conseils, mais je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi un proctologue. Il y a d'autres spécialistes. Je reviens sur les massages, parce que c'est vrai que ça a été dit dans le reportage. C'est vraiment un point clé. Parce qu'à partir du moment où il y a une douleur chronique, il y a une contracture réflexe des muscles dans la région. Moi, j'explique ça à mes patients en leur disant, vous avez un torticolis du périnée. Vous savez, quand vous avez mal au cou, ce qui fait mal, c'est plus l'hernie discale, c'est la tension des masses musculaires. Et donc, à un moment donné, les patients n'ont plus mal de la douleur initiale, ils ont mal de la contracture réflexe qui est autour. Et c'est là que l'ostéopathie, la relaxation, l'hypnose, pour faire lever cette contracture, va être absolument essentielle. Je suis embêté par une hyperspermie très douloureuse. Quel remède ? Écoutez, j'ai jamais eu ce genre de consultation, de demande en consultation. Une hyperspermie, c'est trop de sperme, j'imagine. Ouais, mais je sais pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de normes en la matière. Je sais pas. Est-ce que c'est des brûlures à léger ? Vous voyez, c'est pas là en l'occurrence. Ça demande un complément d'investigation. David, juste avant de voir une autre question de David. Lorsque j'ai des relations sexuelles en étant sur le dos, mes testicules remontent et provoquent une gêne. Est-ce que c'est normal ? Alors, les testicules sont… Il y a un muscle au niveau du scrotum. Ce n'est pas le testicule lui-même qui remonte. Alors, on va en reparler. Il y a quand même un phénomène. C'est les muscles de la peau du scrotum, qu'on appelle le crémaster, qui peut, de manière réflexe, se rétracter. C'est connu au froid. Il y a même un réflexe qu'on appelle le réflexe crémastérien. Quand on examine, ça fait partie des réflexes de la moelle épinière basse. Bien. Parfois arrive ce qu'on appelle le testicule ascenseur. Le testicule, normalement, descend dans les bourses pendant la phase embryonnaire et fœtale. Et bien parfois, le canal peut persister de manière un peu large et à l'occasion de rapports sexuels, le testicule va remonter par l'orifice inguinal. Et voilà. Et donc reprendre sa place. C'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque de cancer de testicule, contrairement aux testicules qui sont toujours mal placés. Mais si c'est gênant, on les fixe. On fait une petite intervention, on met un fil et on fixe le testicule. On regarde un petit reportage ? Oui, parce que les pathologies de la vulve peuvent être difficiles à diagnostiquer. Et certaines patientes peuvent d'ailleurs se retrouver en errance diagnostique. Notre équipe s'est rendue à Lyon où une consultation est menée par un binôme entre une dermatologue et une gynécologue. Vous voyez ce reportage, Lucille Degout, Claire Debuzier et Alain Gastebois. Isabelle Gastebois. Docteur Ronger, dermatologue. Docteur Ronger, la gynécologue. Allez-y, rentrez. Cette jeune femme de 21 ans souffre d'intenses douleurs à la vulve. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune cause n'a été identifiée. Alors ça fait 3 ans en fait que j'ai des douleurs au niveau du vagin, qu'elles soient internes et externes. J'en suis à un point où je ne peux plus mettre de tampon, je ne peux plus avoir de rapport sexuel. Ça me gâche la vie en fait. Pour trouver une issue à cette errance thérapeutique, cette gynécologue et cette dermatologue doivent procéder à un examen clinique. Du coup, déjà on va regarder s'il n'y a pas de problème sur la peau. Ils vont couper un peu court. Alors bon, la peau est normale. On va prendre un petit coton-tige. Et on va vous toucher des endroits, vous allez nous dire si c'est là que ça fait mal. D'accord ? Alors, est-ce que là, sur la cuisse, vous avez mal ? Là ? Non. Et là, donc à l'intérieur, plus à l'intérieur, donc sur nos petites orifices. Là, là ici, ouais. Là, ça fait mal, c'est là. Comme ça brûle, comme ça fait mal, du coup, vous sentez vos muscles qui sont tout contractés. Votre périnée, par réflexe, se contracte.
Ce que vous avez, c'est une vestibulodynie. Chez cette patiente, cette pathologie est la conséquence d'une infection urinaire et de plusieurs mycoses. Sa vestibulodynie est dite secondaire. Secondaire, ça veut dire secondaire à quelque chose, donc à une cause. Donc ça peut être des mycoses à répétition, ça peut être la ménopause avec la sécheresse, ça peut être un accouchement compliqué, voilà, quelque chose qui s'est passé, des infections urinaires, prise d'antibiotiques, mycoses, etc. Allez. Pour soulager ses douleurs, la jeune femme devra suivre un traitement local anesthésiant et hydratant et des séances de kinésithérapie pour relaxer son périnée. Il y a une autre question de Patrice. Y a-t-il un traitement pour soulager l'épididymite ? L'épididymite, donc l'inflammation de l'épididyme, on va peut-être revoir sur ce qu'on avait montré tout à l'heure sur le schéma, s'il veut bien passer. Donc c'est juste au niveau de l'épididyme, c'est juste au niveau au-dessus du testicule qu'on retrouve ici. Et donc l'épididyme, c'est ça. Et donc quelquefois, il y a des épididymites. Alors c'est quoi ? L'épididymite, c'est une infection de l'épididyme. Le plus souvent, mais pas uniquement, ce sont des germes d'origine urinaire qui remontent à contre-courant, mais parfois ce sont des infections d'origine génitale. Les infections urinaires de l'épididyme sont plutôt des infections très aiguës. Alors là, c'est 39 de fièvre, la bourse qui devient rouge, c'est très douloureux au toucher, antibiotiques, et ça passe, mais c'est un traitement assez long, c'est 3 semaines d'antibiotiques pratiquement pour vraiment bien guérir une épididymite infectieuse. Quand c'est d'origine génitale, ça va être plus torpide, c'est moins violent et ça peut se chroniciser. Et donc l'épididyme devient induré et il y a une espèce de douleur sourde un peu permanente. Et dans certains cas, ça peut conduire à faire une épididymectomie, c'est-à-dire retirer l'épididyme par une intervention chirurgicale. Alors c'est rare, mais parfois c'est nécessaire et ça rend des services. Là, je suis sûre de la réponse, mais il faudra développer. Tim nous dit qu'il a pris un ballon de foot dans les testicules. La douleur a duré 3 mois, ça allait mieux, ça recommence. Dois-je consulter ? Je suis sûre que oui. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça ? Non, alors il peut y avoir, quand il y a eu un choc comme ça les bourses, que ce soit ballon de football, balle de tennis, voilà, un hématome qui s'est constitué à l'intérieur du testicule et qui peut être à l'occasion d'une douleur persistante. Alors il faut faire l'échographie, on va identifier cet hématome. S'il n'y a pas de fracture du testicule, on ne fait rien, ça se résorbe tout seul. Mais voilà, mais en tous les cas, il faut faire une échographie. Que ça se soit amélioré, que ça revienne. Il y a peut-être effectivement un hématome de faible abondance, comme un noyau de cerise à l'intérieur du testicule. Ça met en tension un petit peu le testicule lui-même. Quand le testicule, c'est une espèce de pulpe comme une éponge avec une enveloppe solide. Et donc s'il y a un hématome au milieu, ça tire sur l'enveloppe et c'est ça qui fait un petit peu mal. Mais l'échographie est un examen simple, totalement indolore et qui va donner immédiatement le diagnostic. Là, par contre, on peut peut-être conseiller à Tim d'aller voir directement l'uro, là, enfin, si ça l'embête de parler de ça à son médecin généraliste. Mais non, il peut en parler à son médecin généraliste qui va justement lui prescrire l'échographie. Et si nécessaire, aller voir l'urologue. Déjà avec l'échographie, on aura gagné une étape. Cédric nous dit que lors de la pénétration, il a toujours un même endroit des bourses qui grattent très désagréablement. Quelles sont les causes possibles ? Les causes, elles sont multiples. C'est le plus souvent, quand ça gratte, ce sont des causes dites dermatologiques. Donc, on va aller chercher une irritation locale, on va regarder si ce n'est pas des problèmes de kystes sébacées, enfin des kystes au niveau cutané. Donc, ça gratte, c'est jamais urologique, c'est plutôt dermatologique. D'accord. Question de Sophie. Hormis la crème à la cortisone, y a-t-il des traitements efficaces pour le lichen vulvaire scléreux ? Apparemment, c'est très pénible pour Sophie. Oui, alors... Il y a des traitements, mais le lichen scléroatrophique peut se compliquer. Et donc la cortisone va viser... C'est quoi un lichen, qu'on précise bien ? Alors un lichen, en fait, c'est une réaction cutanée, c'est une maladie qu'on pense immunitaire, donc une hyper-réaction de l'organisme face à une agression. Et en fait, l'organisme va se défendre contre lui-même. C'est toutes ces maladies immunitaires dont on ne sait en fait pas grand-chose. Et dans le lichen scléroatrophique, on peut avoir des complications qui peuvent même amener à des lésions précancéreuses, voire à du cancer. Et à l'heure actuelle de nos connaissances, le seul traitement préventif efficace de ces complications est la cortisone. Donc évidemment, on commence par traiter régulièrement et puis on va alléger progressivement le traitement. Alors on a des traitements complémentaires, je pense tout simplement à certaines formes d'alimentation qui peuvent diminuer ou améliorer l'immunité. Donc toutes les médecines complémentaires qui vont jouer sur l'immunité, mais très clairement actuellement, c'est vraiment le médecin, le gynécologue ou le dermatologue dont on parlait tout à l'heure qui va fixer le rythme du traitement. Merci beaucoup à tous les deux pour être venus nous avoir apporté toutes ces explications. Demain, on répondra à vos questions sur les champignons. Alors, pas les mêmes champignons, les champignons qu'on mange. Ceux-là, on parlera cueillette, sécurité. À demain, au revoir. À demain. Merci pour la transition, c'est sympa.